Alors, ce ne sera pas un direct comme les autres, parce que vous connaissez votre fantastique diva. Vous savez que moi, je n'hésite pas à partir en live. Entre-temps, il y a plusieurs personnes qui sont juste câblées là pour voir la partie où je vais partir en couille, quoi. Donc, moi, j'ai pris mes précautions, d'accord? Aujourd'hui, je veux faire ce direct avec la voix du peuple. Il y a une voix. Il y a une voix avec moi ici ce soir. Il est là pour me poser toutes les questions que vous vous posez par rapport à tout ce qui concerne la diva. Voilà. Donc, ce direct de ce soir-là, ce sera un peu comme une interview. Donc, d'accord? Et que vous entendrez, oh putain, c'est la pluie. Ouh là là, c'est la pluie. Le réseau va se gâter. Les esprits sont debout. Le feu sort. Les informations qui sont dans ma bouche, aujourd'hui, ça doit sortir. Même si le réseau bug. Si ça coupe là, je vais attendre tranquillement que la pluie s'arrête. Je vais relancer le direct. Parce que au final, c'est aujourd'hui là. Bonsoir à tous. Bonsoir les fantastiques. Venez nombreux. Venez nombreux. Vous savez, on a une coutume au Gabon, surtout pour les artistes. On a une coutume de fermer la bouche. Parce que si tu parles, on va soi-disant te bloquer. On va soi-disant te verrouiller. On va soi-disant te fermer les portes, gaspiller quoi. Mais bon, pour moi quoi? Pour moi quoi? Makaya. Makaya oh! Cabri mort, on n'a pas peur du couteau. Je ne suis pas ici ce soir pour mâcher mes mots envers qui que ce soit. Je suis ici pour parler de la réalité des choses qui se passent dans ma vie. Et je n'invente rien du tout. Il s'agit là de ma vie à moi. Je ne vais pas spécialement indexer les artistes ou simplement les mélomanes ou les promoteurs. Je m'adresse d'abord au peuple gabonais. Je m'adresse d'abord au peuple gabonais. Voilà. Je viens parler avec mes parents, mes gens, les gens de mon pays. Voilà. Et parce que il y a des Gabonais qui vivent dans d'autres pays, mes informations vont traverser les frontières. Je prends l'entière responsabilité de tout ce que je veux dire ce soir, parce que tout simplement, il s'agit de ma vie. Je n'ai inventé aucun personnage, je n'ai inventé aucun nom. Tout le monde s'appelait déjà comme ça. Voilà. Je n'ai inventé aucune situation. Ce sont les situations que je vis. Tout simplement. Voilà. Donc, on va y aller. Putain, ça commence à taper dehors là-bas. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous avez d'abord mon retour du son. Dites-moi si vous m'entendez bien parce qu'on ne va pas dormir ici. Oui, on va parler. Moi, on connaît le résultat. Quand quelqu'un parle un peu au bled, on voit ses photos nues, on voit ses fesses ou quoi. J'ai déjà dit, mes fesses sont propres. Je lave ça. Je nettoie ça le matin, le soir, avant de me coucher. Je fais ma toilette. Mon corps est propre. C'est bon, pour moi, ça va. Mais si vous voulez, si ça vous enchante de partager ça, sachez que vous n'allez jamais me toucher. Mon corps, vous ne le prendrez pas. Il va rester ici avec moi. Et je garde toute ma dignité et toute mon intégrité. J'aurai toujours mes fans, j'aurai toujours ma famille, j'aurai toujours ma vie. J'aurai toujours la vie que Dieu m'a donnée, mais je vais la vivre sans peur, sans crainte. Voilà. Bon, on va commencer. Il y a 400 personnes, on n'a pas besoin de plus que ça. Partagez d'abord. 400 personnes, ça veut dire 400 partages. Partagez d'abord. Il s'agit de faire ou de dire peut-être ce qu'aucun artiste gabonais n'a jamais dit. Ou fait. Donc, partagez bien. Vous pouvez partager ce direct-là. Je vous le demande, même s'il vous plaît, quoi. Partagez-le. Tout le monde va un peu écouter cette affaire. On finit avec. On passe. Bien. La fantastique, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Merci de nous inviter. Donc, on va vraiment, vraiment parler. C'est ton jour. Tu t'es engagé à tout dire au plus gabonais. Est-ce que la fantastique est réellement prête? Est-ce qu'on peut aller? Je suis prête, ça va pour moi, ça va. D'accord. Ça va. Aujourd'hui, le Gabon te considère comme artiste confirmé. Tu as fait totalement tes preuves sur le plan national, sur le plan international. Aujourd'hui, comment tu te sens? Quel est le retour aujourd'hui que tu perçois ta carrière? Et ça fait déjà combien de temps que tu es dans la musique?
Alors, ça va faire, je ne sais pas trop depuis quoi, 2013, j'ai fait mes premiers pas dans la musique. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une aventure extraordinaire qui m'arrive. Il faut rappeler que je suis issue de familles nombreuses. Mon père a une cinquantaine d'enfants. Et que, voilà, il se trompait de prénom même quand il nous appelait. Tellement on était nombreux. Donc, il a fallu trouver mon identité à moi. Et c'est pas quelque chose qui était vraiment facile pour moi, d'accord? Donc je débarque sur la scène musicale, j'apprends à me faire confiance, à faire confiance à mes choix. Et ça m'ouvre tout un monde de possibilités en fait. D'accord. Donc ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis sur le toit de la scène musicale au Gabon. C'est juste parfait. Ok. Bien, on ne va pas tergiverser, on va aller droit au but. Bien sûr. Vas-y. On sous-entend qu'en face de toi, tu as les fantastiques d'Akébé, les fantastiques de Venez Voir, les fantastiques des Dragons, les fantastiques de Kingele, les fantastiques de Bellevue 1 et 2, en tout cas les fantastiques du Gabon. Tout le monde raconte que Crayon a quitté le label Direct Prod de Monsieur Edgar Yonke. Nous profitons de l'occasion pour la question. Crayon, est-ce que tu es encore dans le label Direct Pro? Oui ou non? Pourquoi? Parce que là, tout le monde t'écoute. Merci pour la question. Ouais. Je voudrais d'abord remercier les membres du jury. Désolée, je pars un peu machin, mais bon, ça me. Non, y a pas, on est habitué, c'est la fantaisie. Oui, désolée, moi je suis toujours de bonne humeur, je suis bout d'énergie. Donc quand ça sort, voilà. Alors, tout simplement, je ne suis plus à Direct Prod. Il faudrait que je l'écrive en grand sur mon front. Il faudrait que je le mette en majuscule. Mm-hmm. Je ne sais pas. Je ne suis plus à Direct Prod, en fait. Et c'est vrai que, malgré mes multiples, tu comprends que malgré. Ouais. Mes multiples annonces, tout le monde s'est dit, oh laisse tomber, c'est comme ça, après elle va retourner. Oh laisse tomber, elle va repartir. Mais en fait, je suis vraiment partie de Direct Prod en fait. Ouais. Et les gens le savent pas, ils continuent d'appeler mon boss Edgar Yonke pour avoir créole en prestation. Ils continuent d'appeler les gens de Direct Prod pour avoir créole en prestation alors que... Tu es partie. Je ne suis plus. Alors, c'est simple. Pourquoi les gens continuent de penser que je suis à Direct Prod? Parce que le boss, Edgar Yonke, n'a pas communiqué là-dessus, tout simplement. Moi, je ne fais que crier que je ne suis plus à Direct Prod. Je ne fais que me débattre. J'ai fait ma télé-réalité seule, j'ai fait sortir mes sons, j'ai fait mes bonobo tours, j'ai fait mes trucs, ma sortie de ma collection de vêtements, je tourne des films, je voyage, je fais des prestations à l'étranger. C'est-à-dire, c'est plus, je ne suis plus à Direct Prod. Mais pourquoi tu es parti? Tu as bien commencé à dire, pourquoi tu es parti? Oui, ça c'est une bonne question. Tu es parti pourquoi? C'est une très bonne question. Ouais. Et j'en viens. Viens déjà, viens. Oui. Laisse-moi te répondre parce que c'est une très bonne question. Ouais, parce qu'on dit que tu es déjà dans un autre label, tu es maintenant seule. Ah non, pas du tout. Je suis toute seule en fait, c'est ça le truc. Attends, je t'explique d'abord bien que je suis partie de Direct Prod. Ça va faire... c'était un peu avant, enfin non, après le décès de mon papa. Donc on était à son âme. On était, oui, voilà, on était en avril. Nous sommes en quoi là? Nous sommes en octobre. Avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre. Ah, ça fait comme 6 mois. 6 mois. Ça fait genre trop 6 mois. 2 trimestres. Ça fait trop 6 mois que je suis à Direct Prod et je ne comprends pas l'acharnement du peuple. De toujours aller vers Direct Prod. En fait, je peux comprendre les gens. Parce qu'au final, c'est le boss qui doit communiquer sur mon départ. Qui doit dire, les gars, désormais, Crayon n'est plus à Direct Prod. Mais s'il ne le dit pas, c'est normal que les gens continuent d'aller vers lui pour m'avoir en prestation ou bien en interview ou bien pour me proposer des marchés et tout, tu comprends? C'est-à-dire que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais s'il ne déclare pas que tu ne fais plus partie, ça qu'il te reconsidère encore en tant que membre. Ça sous-entend que, selon lui, je suis toujours à Direct Prod. Mais moi, Moussitou, Makaya, Janice, Aurore, l'enfant de mon père,
Monsieur Makaya Mbumba Jean-Christian et de ma mère Ngundu Buchanga Odette Nadia, moi j'ai décidé que je ne suis plus à Direct Prod. Et je l'ai dit à mon boss. Je l'ai dit. Tu comprends? Okay. Maintenant, à lui de communiquer là-dessus. Sinon, on est dans un cercle vicieux. Les gens iront toujours là-bas pour demander créole, alors que créole n'est plus. Moi, ça me fait rater les spectacles. Ça me fait rater les combos. Ça fait un moment, on ne te voit plus, on ne voit plus la fantastique. Mais c'est pas possible. Hein? C'est pas possible, ça. Même ton émission télé-réalité a disparu. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es dans Direct Pro. Si tu es venu à Direct Pro, forcément, il y a eu un papier. Tu n'as pas eu un papier. Tu as signé un contrat. Tu n'as rien eu de ça. Parce que tu as quand même donné un plaisir. Mon contrat de Direct Pro, ça va faire très mal. Ça va faire très, très, très mal. Mm-hmm. Mon contrat de Direct Pro, j'aimerais en parler à la fin de cette interview. Quand on aura terminé, pour conclure, je vais parler du contrat. Ok, d'accord. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui court actuellement dans les réseaux sociaux, dans les quartiers. Parce qu'il faut reconnaître que la diva, le peuple gabonais est derrière toi. Tout le monde te suit, tout le monde te suit. Même lorsque tu démarres, même ta voiture, tout le monde court. Oh, la diva, on va faire le selfie. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui te pourchassent, des gens qui t'appellent, des messages anonymes, on te menace. C'est pas des messages anonymes. Qui te fait ça? C'est pas des messages anonymes. C'est pas quelqu'un d'anonyme, non mais... Je vais te le dire tranquillement, d'accord? Ouais. Ces messages, ce ne sont pas des messages anonymes. Ce sont des messages que mon boss m'envoie, Edgar Yonke. C'est lui qui m'envoie ces messages. Mais qu'est-ce qu'il te veut? Ce n'est pas anonyme. Alors, ces messages, beaucoup ont cru que Edgar venait de me les envoyer, en fait. D'accord. Je vais vous expliquer à tous pourquoi j'ai mis ces messages sur Internet. Ces messages datent d'il y a 6 mois. 2 trimestres déjà. Voilà, ça date de depuis que j'ai annoncé au boss que je devais partir de Direct Prod. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'il m'a prédit. Il m'a prédit que mes chansons ne sortiront pas et qu'il allait me tremper dans l'eau, que je me réveille. Dans l'eau. Mais les messages sont encore sur mon mur et j'en ai des tonnes comme ça. J'en ai des tonnes. Je n'ai pas barré le numéro parce que c'est-à-dire que je ne fais pas les messages seul. Je fais les messages avec mon boss, c'est mon patron. C'est-à-dire, quand j'étais avec Edgar partout où Edgar était, j'étais là. Dans les boîtes de nuit, c'est moi qui vidais les bouteilles de champagne. Alors aujourd'hui, que je ne suis plus à Direct Pro, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas le droit de citer son nom. C'est mon papa, c'est mon père. Ouais. C'est mon père, Edgar, c'est mon père. Tu es reconnaissante envers lui? C'est mon papa, mais énormément. Tu es reconnaissante envers lui? Mais énormément. Beaucoup ne connaissent pas la relation que j'ai avec Monsieur Yonke. Edgar, c'est un papa, j'ai rencontré Edgar, je ne chantais même pas encore. J'étais serveuse aux planches, les planches qui sont là, Nomba Kelé là. J'étais serveuse aux planches. Mon fils Jérémy avait peut-être 2 ou 3 mois dans les bras. Ça, c'est une partie de toi que beaucoup ignorent. Mais bien sûr, tu as commencé en tant que serveuse. Mais bien sûr. Je n'ai pas travaillé en tant que serveuse qu'aux planches. Les Gabonais sont là, vous me connaissez, vous m'avez vu grandir ici. Je louais là derrière l'assemblée, à côté de chez mon père. J'ai travaillé dans toutes les boîtes de nuit. Ouais. J'ai cherché ma vie. J'ai travaillé au Waro, j'ai travaillé au VIP, j'ai travaillé au Bombafro, j'ai travaillé partout au Casino Croisette. Ouais. J'ai travaillé dans tous les snacks, dans toutes les boîtes de nuit parce que j'ai toujours eu ce feu-là, cette envie et cette indépendance-là. Edgar, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je n'étais rien dans ma vie. J'étais une petite fille comme les autres. Ouais. Il m'a aidé, il m'a dépanné. Il m'a soigné avec mon enfant. Il a pris soin de nous. D'accord? D'accord. Je ne chantais même pas encore. Il ne savait même pas que je devais être artiste un jour. D'accord. C'est à partir du moment où je suis allée maintenant travailler au Casino Croisette en tant que serveuse que j'ai remarqué Edgar qui venait tout le temps. Un boss, bonjour, bonsoir. Content de voir déjà ces gros pouvoirs qu'il me donnait. Tu vois un peu? Les gros pouvoirs là, combien par exemple? Oh là, ça va, quand le big est content, il fait des bons pourboires, c'est tout. C'est ça, tout le monde aussi, ça va. Gros pourboires, 50 000, 100 000. On n'est pas là-bas. Non, c'est pour te dire qu'on a une très bonne relation. Ouais. C'est une relation père-fille. D'accord. Edgar, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. D'accord. C'est un bosseur. D'accord. Il est numéro 1, c'est pas pour rien, tu comprends? Et qu'au final... Moi, c'est-à-dire, je l'en veux pas, mais je trouve qu'il s'acharne un peu trop sur moi. Tu comprends? Il s'acharne un peu trop sur moi. Parce que même si j'ai décidé de partir, j'ai des raisons.
J'ai dit, je vais parler du contrat. J'ai pris la décision de parler parce que je vais parler. Je vais vous montrer mon contrat. Je vais vous montrer les lignes de mon contrat. Je vais tout vous expliquer et puis vous allez un peu me rejoindre par là. Vous allez me comprendre quoi. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas de problème avec ce monsieur. Ouais. C'est quelqu'un de bien. Je l'ai côtoyé. J'ai travaillé avec papa, lui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un bosseur. Tu comprends? Oui. Musicalement, c'est ma meilleure expérience. Donc, artistiquement, c'est Edgar Yonke est la meilleure expérience de ma vie. Sans lui, je ne serais pas là. Sans lui, je ne serais rien de tout ce que j'ai pu accomplir ces trois dernières années. Oui, mais la partie où la goutte d'eau déborde du vase, c'est dû à quoi? Parce que quand même, tu t'es pas réveillé un matin et dire que tu pars. Si tu as décidé de partir, c'est parce que tu as sûrement fait un constat. Bien sûr. Tu as fait des remarques, il n'y avait pas d'amélioration. Voilà, pour parler de, mon départ de Direct Pro, alors, il y a une stratégie de mon boss que je n'ai pas force, que je n'adhère pas forcément. Et je suis un être humain, j'ai mon seuil de tolérance. D'accord? Je sais jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Tu es humaine avant tout. Voilà, je suis humaine avant tout. J'ai aussi mes sentiments, j'ai mes ressentis et que je dois exprimer. Je dois me tenir toujours du côté qui m'avantage. Ok? Et je suis désolée, mais je veux être un peu égoïste pour moi. Voilà, je veux être un peu égoïste. Voilà. Donc, à Direct Pro, il y a une stratégie qui ne m'a pas du tout plu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de manager. On n'a pas de manager. Comment ça? On n'a pas de manager. Le manager, c'est le boss. Le producteur, c'est le boss. Le père, le fils et le Saint-Esprit, c'est le boss. Au départ, c'est bon, c'est bien. Mm-hmm. Mais à un certain stade de la carrière, tu sens en tant qu'artiste que tu as besoin d'un manager pour te négocier des contrats, pour te faire tourner. Et tu es dans un label où il y a plusieurs artistes. Et tu sais qu'il y a une certaine concurrence entre les artistes les dans artistes, un label. Bien sûr, parce qu'il y a... Et c'est une concurrence saine. Voilà. Et c'est une bonne concurrence. Ça permet de se surpasser. Ça permet de faire encore plus. Ça permet de se dépasser. C'est une très bonne concurrence. Mais dans l'équipe aussi, dans l'équipe, on voyait de temps en temps Michel aussi qui était là. Mais Michel c'était pas votre manager. Coucou Michou, bonsoir Michou. Alors Michou, c'est notre manager. C'est le manager des artistes gabonais. Sans Michel au Gabon, je ne sais même pas comment on l'aurait fait. Sur le plan technique, sur le plan pratique, il n'y a que Michel Metogo, quoi, que je peux dire en tant que quelqu'un qui sait de quoi il s'agit quand on parle de management. Si Michel n'est pas là, je ne sais pas comment on va faire. Michel nous a sorti de la merde à combien de reprises. Mais il n'a pas le plein pouvoir sur le travail qu'il peut mettre sur un artiste. Parce qu'on ne l'appelle que, par exemple, pour nous prendre de la maison, nous déposer au concert, nous prendre du concert, nous déposer à la maison, il prend le pourcentage et c'est ça le manager. Et bien moi, je dis non. J'ai le droit de savoir ce qui serait mieux pour ma carrière. D'accord. C'est pas parce que c'est comme ça que vous fonctionnez depuis 100 ans que moi je dois venir fonctionner comme ça, même si je constate que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que... Le vrai problème avec Direct Prod, c'est que il y a, on va dire quoi, il y a comme une espèce de d'animosité qui est créée par le boss, genre divisé pour mieux régner. Si je dis au boss que nous sommes des artistes, nous devons avoir chacune son manager qui nous permet de travailler, de bouger. Même si toi qui es le producteur, tu travailles avec l'une d'entre nous, au moins les autres sont en train de travailler, ne sont pas assises en train d'attendre, je ne sais quoi, tomber du ciel. D'accord. Okay. De manière à ce que pour tout le monde, ça bouge un peu en même temps. D'accord. C'est pas que quand tu vas travailler pour moi, et ça nous a mis dans des positions déstabilisantes à plusieurs reprises. Tu as travaillé combien de temps à Direct Pro? Tu as fait combien de temps à Direct Pro? Depuis pratiquement... Un an, deux ans, trois ans? Mais non! C'est depuis le Gabon Talon Show, j'ai travaillé... Donc ça veut dire que pendant tous, depuis le Gabon Talon Show jusqu'au jour où tu as pris la décision de te retirer, tu n'avais pas un manager, tu n'avais pas une équipe. Mon équipe, c'est mon boss. Pour toi. Mon équipe, c'est mon boss. C'est il mon équipe. Tout pour toi. C'est-à-dire que au studio d'ailleurs, d'abord, pour te dire l'affinité que j'ai avec Edgar Yonke, mon boss, c'est que je n'ai jamais réussi à travailler avec quelqu'un d'autre au studio. D'accord. Je n'ai réussi qu'à travailler avec lui. Il sait comment me détendre au studio, que je donne le meilleur de moi. Quand je travaille dans les autres studios, je suis stressée. Quand je travaille avec d'autres ingénieurs, je n'y arrive pas. Tu comprends? Mm-hmm. Et c'est déjà un blocage pour moi. Et c'est bien de me dire qu'il faudrait que j'arrive à passer
outre, il faudrait que j'arrive à travailler dans tous les studios du monde. Si j'arrive dans un studio au States et que Edgar n'est pas là, je dois pouvoir me débrouiller. Donc c'est toutes ces petites raisons-là qui font en sorte que, au final, je trouve nécessaire pour moi de partir. D'accord. Voilà. Et une raison principale en ce qui concerne aussi mon contrat. On en parlera à la fin. Voilà. Bien. On va maintenant entamer. Attends, excuse-moi. Ça m'a confié. Okay. Ajoute encore. Non, je veux juste éclaircir quelque chose. D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux dire, parce que je sais que le boss va regarder ce direct-là, je veux dire que c'était très difficile pour nous. Je parle de nous, tes artistes, quand j'étais à Direct Prod. C'était très difficile pour nous de te voir te concentrer sur, par exemple, Créole et les autres en stand-by. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et dès que quelqu'un vient te dire, « Ah, boss, moi aussi, je vais t'affaire, ne te concentre pas, ne te ferme pas seulement sur l'autre. » Tu dis, « Tu es jalouse de tel. » Quand moi, je viens te dire la même chose, tu dis, « Toi, tu es jalouse de tel. » Diviser pour mieux régner. C'est ce genre de comportement, de manipulation que moi, je n'ai pas accepté. J'ai le droit de dire ça. J'ai le droit de dire ça. Je suis l'enfant de mon père, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un d'autre que mon père et ma mère. Edgar, c'est tu es quelqu'un que j'admire, que je respecte beaucoup. Mais à un certain moment, tu dois me laisser partir, tu dois me laisser m'envoler de mes propres ailes. Tu dois me laisser chuter, avoir mes chutes et me relever. Tu dois me laisser me battre pour ma vie et pour ma carrière sans chercher à m'enfoncer. Mais peut-être papa a du mal à voir sa fille partir. Mais c'est papa normal. Aussi, en mais aussi, je ne l'en veux pas. Mais attends, tu as une créole Nadiva dans ta team qui veut partir. Tu peux l'os. Soyons raisonnables. Tu as une fantastique diva créole dans ta team. Tu l'as rencontrée, tu l'as pris, niek, elle est ma popo. Elle n'était rien. Elle chantait ses deux, trois zouks. Il a ça pour dénicher les talents. Il a découvert les grands artistes, les Magic System, les Nanani, les Jacob des Varios ou quoi, je sais pas. Il a le flair pour dénicher les talents. Il a su voir en moi ce que les gens n'avaient pas vu. Et je respecte ça. Je le respecte. Je bénis Dieu pour ça. Tu comprends? D'accord. C'est quelqu'un qui m'a donné une chance. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne te dirai pas à quel point il me manque à l'heure actuelle où je parle avec toi. Il me manque horriblement, méchamment quoi. C'est quelqu'un que je voyais tous les jours, avec qui je faisais mon Congosa tous les jours. D'accord. Avec qui j'étais très proche, comme je suis proche de mon enfant. Mm-hmm. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'à la base, tu n'as pas un problème avec monsieur. Mais Edgar. Non! Le seul problème, c'est parce que j'ai dit que je parle de direct pour Bonobo. Moi, je peux comprendre la mesure où il a investi de l'argent dans Bonobo, il a investi de l'argent dans VIP, il a investi de l'argent dans les tournages des clips et tout ça. Et que... Maintenant donc, que je veux partir. Donc, même s'il appelle, il n'y a pas de problème, tu décroches ton téléphone. Mais je lui ai dit, boss, je suis ta fille. Je te l'ai dit, boss, que je suis ta fille. Tu vas m'appeler pour une prestation, pour un truc. Je vais venir. Je vais venir prester parce qu'au final, je n'ai pas de problème avec toi. Pour moi, j'ai ressenti en moi que c'était le moment de partir de Direct Prod. C'est tout. Maintenant, le jour que tu m'appelles, le jour que tu as besoin de moi, le jour qu'il faut venir voir les filles, le jour que. Mais je suis là pour toi. Je te dois tout, je te dois ma carrière, je te dois tout. Et c'est pas une blague. Tu as commencé à intervenir dans ma vie, je n'étais même pas une chanteuse, je n'étais rien qu'une serveuse. Je connais mon histoire que moi j'ai vécu avec toi, c'est pas un problème, tu sais pas, c'est pas, tu comprends que c'est, le problème n'est pas réel en fait. C'est juste que mon boss est fâché, maintenant il me fait des crasses. Il m'a dit il y a 6 mois de cela qu'il allait me tremper dans l'eau pour bien me réveiller comme je voulais jouer le grand doc, dit que je quitterais Paul. Mais 6 mois avant, il n'y avait pas tous ces scandales-là. Est-ce que tu vois après tout ce qui s'est passé dans ma vie? La télé-réalité est passée, on a exposé des photos de moi nulle partout, on a fait ceci, cela, on a cité mon nom dans quoi. Oui, mais voilà, en parlant il faut de, qu'on en vienne. En il faut parlant qu'on de ça, vienne. Parce que nous savons très bien que tu es une femme mariée, tu as ton mari, tu as tes enfants. Eux, lorsqu'ils ont vu les photos... Que, où on te voit, tu es nu. Comment tu as suggéré ça à la maison? Parce que c'est ça aussi. Il y a aussi le côté dans famille. Dans les photos là, tu sais, mes parents ne sont pas mes parents quand je suis devenue créole. Ma mère me connaît depuis qu'elle m'a accouchée. Ouais. Tu vois déjà la partie là. Mon enfant me connaît depuis qu'il est sorti de mon ventre. Mon père me connaît depuis qu'il m'a donné la vie. Mes amis me connaissent depuis que je suis là. Mes fans me connaissent depuis que j'ai atterri sur les écrans. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien. Tu vas parcourir la liste des artistes gabonais. Il n'y a pas quelqu'un qui se dénude comme moi.
J'ai mis le string à la télé. Donnez-moi les artistes qui sont passés en string. Ficelle, la ficelle noire là, à la télévision. Donnez-moi deux. Il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne parce que moi, j'ai un beau corps. Moi, mon corps est beau. Il est clean. Regarde comment je suis propre. Je suis une belle femme. Même si on prend la lèvre inférieure gauche, on tire ça comme ça. On prend la lèvre inférieure droite, on tire. On ouvre tout le tunnel comme ça là. On montre. Mon frère, je suis constituée comme leur mère, comme leur soeur, comme leur femme. En un peu plus jolie seulement. Okay. Donc, ça ne me dérange en rien. Mes parents ont réagi comment? C'est moi qui avais mal. C'est moi qui avais un peu mal. Je stressais, je me disais, oh putain, les parents. Oh mon Dieu. Mais au final... Oui, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mon fils, je me suis réveillée un bon matin. Mon enfant était toujours mon enfant. Il m'aimait toujours autant. Ma mère me soutenait, mes frères et mes soeurs m'ont embrassé, m'ont soutenu. Mes fans, je vous adore, m'ont soutenu. Je n'attendais même pas ça. Je n'ai même pas eu le temps de me défendre. Tout le monde m'a défendu. Et les gens ont compris qu'il y avait un acharnement. Aller faire des montages vidéo, prendre ma télé-réalité, prendre mes ceci, prendre mes cela, pour vouloir nuire à mon image. Mon voilà, en parlant même de la télé-réalité, ça raconte que... C'est Papa Edgar qui a encore mis les moyens. Pour parce non, que avant, même, avant le journal, tu passais tout le temps la télé. Mais après, attends, il y a la censure. Non, on sait qui parle, on sait qui concerne la télé-réalité. Hein. Sincèrement, je me suis fait un gros coup de pub. Je le dis devant vous tous ici, là, ce soir. Aucun artiste gabonais, aucun depuis que le Gabon existe, n'a eu un coup de promo terrible comme ça. Je passais à la télé du lundi au vendredi. Je ne faisais rien de spécial. Je suçais les glaces à la crème, je me baladais à la plage, je m'en vais voir mes fans, je suis sur scène. C'est une promo de malade. Aucun artiste n'a jamais réussi à faire quelque chose comme ça au Gabon. C'était une première, mais c'est pour te dire que je suis restée. Je suis restée moi-même. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je suis restée moi-même. J'ai laissé tourner les caméras. On a diffusé ça à la télé. Donc, c'était quand même beaucoup de promos. Ça n'a pas enchanté tout le monde. Moi, j'étais contente. Mes parents étaient contents de me voir à la télé. Les fans étaient contents. Mais on peut comprendre que tout le monde ne puisse pas être content. Moi, j'ai dit que mon producteur n'était pas content. Parce que j'ai quitté les directs pro. Tout d'un coup, je chaille la télé-réalité. Je fais les bonobos tout. Je suis dans les 9 provinces du Gabon. Je suis à gauche. Ça, machin à droite et tout. Tu vois, ça n'a pas forcément arrangé. Dans son ego, donc certains de moi disent que mais cette petite là, donc elle veut montrer que comme elle est partie, machin. Je peux comprendre ça. Voici pourquoi je ne l'en veux pas. Mais tout ce que je dis, c'est que pour m'avoir aidé à être qui je suis aujourd'hui, tu ne vas pas encore m'enfoncer comme ça la bosse. Tu ne vas pas chercher à me faire ça. Alors, les gens vont se demander pourquoi je dis que c'est Edgar, pourquoi je dis que c'est Edgar. Écoutez maintenant bien ceci. Écoutez bien. La haute autorité de communication, la HAC, a fait un communiqué dans lequel on censurait la télé-réalité fantastique live. Il n'a jamais été mentionné quelque part qu'on censurait l'artiste créole. On est d'accord? D'accord. La seule personne qui a fait un post pour confirmer qu'on a censuré l'artiste créole, c'est Edgar Yonke. C'est toi. Je n'ai pas attendu une seule minute, boss. J'ai tous les messages. Parce que après ce direct, je vais mettre toutes les conversations qu'on a eues. Je vais livrer ça, boss. Je vais le mettre. Je vais mettre toutes les conversations pour que les gens puissent comprendre, en fait. Les gens vont se dire, putain, la fille-là, elle n'a pas peur d'Edgar. Parce que tout le monde a peur de toi. Même moi, je t'avoue, j'ai peur de toi. J'ai peur. J'ai peur. Mais la peur n'en est pas plus que mon envie de réussir. La peur n'en est pas plus que mon envie de réaliser mes rêves. La peur n'en est pas plus que mon envie de garder mon enfant à l'abri du besoin. Je n'ai pas peur plus que ça. J'ai peur, mais pas plus que ça. Tu es le seul qui a fait un post pour confirmer à tous les Gabonais que Créole est censuré, en sachant que je ne suis pas censuré, boss. C'est la télé-réalité Fantastic Life. Ton post disait ceci. La censure n'a jamais été une bonne chose. Hein? On censure l'autre. Les artistes gabonais ne sont pas solidaires. On censure créole. Les artistes gabonais ne viennent pas la soutenir.
c'est pas normal. Un jour, ça peut se retourner contre vous. Quand on créa l'état direct, on ne l'avait jamais censuré. Genre, quand elle est partie de direct, c'est maintenant qu'on la censure, nanani, nanana. C'est très méchant. C'est très vicieux. C'est très vicieux. Je suis venue te voir en inbox pour te dire, boss, on ne m'a pas censuré. Pourquoi tu veux laisser planer dans la tête des Gabonais qu'on m'a censuré? À la suite du post d'Edgar Yonke, les médias se sont déchaînés sur Facebook. Les médias se sont déchaînés. Toutes les petites médias là, Gabon quoi, oh, Gabon quoi, oh, quoi, Gabon, 241, si c'est si, les gars, quoi, tout le monde a publié. Même les. Vous connaissez mon mot que j'aime souvent dire, que je ne vais pas dire sur le direct là. Même eux, ils sont publiés. Pour dire que Créole est censuré, éjecté hors du Gabon. Il y a des titres qui disaient, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'abuse, il y a des titres qui disaient Créole la Diva interdit de diffusion sur tout le territoire national. Il y avait plusieurs postes de ce genre-là qui dit Créole la Diva interdit de vente, d'audition, de nanani. Genre, tuez-moi! Mais c'est pire que de te planter un couteau dans le dos. Mon père qui m'a mise au monde vient de décéder là, c'est devant vous tous, mon père est parti. Paix à son âme. À ce moment de la censure, Edgar faisait figure paternelle pour moi. Figure paternelle quoi. Il représente mon papa musicalement. Dans ma carrière, il est un peu mon sommet quoi. Donc quand lui, il vient venir faire comprendre aux gens que venez soutenir l'autre parce qu'on l'a censuré, alors qu'on ne m'a pas censuré, je comprends qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est pas comme si je ne lui ai pas dit. Je le lui ai dit. Il aurait pu venir faire un post pour dire que c'était pas créant, c'est pas sa musique qui est censurée, c'était la télé-réalité. Moi, sur la télé-réalité, je me faisais la promotion, ma promo de mes tatouages, mon lifting colombien. Est-ce que j'ai une autre vie? Est-ce que j'apprends à Vague? Est-ce que j'ai fait les études à l'USO ou bien est-ce que j'étais à la Sorbonne, je ne sais pas. Je me suis arrêtée au lycée Léon, vous ne connaissez pas ma vie. J'ai fait la troisième là à René Descartes là, parce que chérie m'a donné un peu le caille. J'ai fini la troisième à René Descartes. J'ai continué les études. Je dois montrer quoi dans ma vie? Je dois m'inventer une vie pour plaire à qui? Vous êtes fâché du contenu. La HAC, la Haute Autorité de Communication, avec tous mes respects, votre décision de censure m'a beaucoup affectée. C'est pas tant Edgar Yonke qui s'est acharné à me faire planer autour de ma tête un nuage qui dit que je suis censurée, quoi. C'est pas tant ça, parce que ça, je peux m'en défaire. Il me suffit de faire le genre de direct que je suis en défaire là, tous les jours jusqu'à ce que... Tous les jours, du lundi au vendredi, je fais le direct comme ça, là, tous les jours. Vous allez finir par comprendre que je ne suis pas censurée. Mais la HAC, pour la télé-réalité, moi, je partais déjà dans l'inconnu. Je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Je suis allée avec mon équipe. Nous sommes des jeunes Gabonais, pleins de rêves. On a envie de réaliser des choses. Des jeunes dynamiques, hein. Toute voilà. Une équipe qui travaille toute une équipe fantastique, avec fantastique. Des pouvoirs magiques. On s'est dit, si ça ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la télé-réalité, les gars vont nous faire asseoir, ils vont nous expliquer, ils vont nous dire comment faire que, ah les enfants, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes les parents. Vous êtes la femme, vous êtes les parents, vous êtes les grands. On compte sur vous, je compte sur vous pour m'améliorer. Là vous m'avez juste ressorti les points de la télé-réalité qui n'était pas bien. Mais vous ne m'avez toujours pas montré comment faire. Faites-moi un communiqué. Apprenez-moi comment on fait une télé-réalité. J'ai l'envie de le faire. Je ne connais pas. J'ai fait avec les moyens de bord. On n'avait pas le meilleur matériel. On a fait comme on a pu. Si vous pouvez nous aider de manière à ce que ce soit mieux structuré. Voilà les autres jeunes filles comme nous qui gagnent des milliards avec ces affaires-là. Et pourquoi pas nous, les gars? Vous avez vu comment ça a attiré l'attention des gens? Vous pouvez mentir ou faire quoi? Ça a augmenté l'audience de la RTG considérablement. Moi, créole, je suivais la RTG. Je ne suivais jamais cette chaîne-là. Je suis bouquée canal comme vous tous dans vos grosses maisons. La une, c'est pour le journal. Mais pensez aussi à la jeunesse. Pensez aux artistes.
On a besoin de s'exprimer. Où sont les chaînes? On nous interdit les diffusions. On fait les communiqués. On ne doit pas faire la promotion des musiques qui ne valorisent pas les mœurs ou bien qui incitent à la violence ou bien machin. Mais créez-nous une chaîne urbaine, une chaîne de musique plutôt. Comment je peux dire ça? Une chaîne de musique des artistes ou un truc où on pourra s'exprimer librement. Là, vous allez, là tu t'adresses à la tutelle. Bien sûr, je m'adresse à la tutelle en fait. Exactement. Pour que... Oui, d'accord, c'est une petite parenthèse, mais quand même, c'était quand même choquant de dire la télé a été censurée. Moi, j'attendais qu'on me dise, maman, ce que tu as fait là, hein, c'est pas comme ça. Tu ne connais pas faire. Viens, on va te montrer comment faire. Bon, là, tu fais ça. Je vous le jure devant Dieu que je l'aurais fait. J'aurais suivi ça avec mon équipe. On aurait travaillé jusqu'à obtenir le bon résultat. Mais quand vous censurez, on a l'impression qu'on doit partir en courant et ne plus jamais revenir. Censure, c'est un gros mot. Moi, je n'ai pas fait beaucoup l'école. C'est un gros mot pour moi. C'était difficile. C'était juste une parenthèse. Pour revenir à Monsieur Edgar Yonke. Boss, je suis ta fille. Si je viens ouvrir ma bouche ici là pour citer tout ce que moi j'ai vécu avec toi, le Gabon va se soulever. Ils ne vont pas rester assis dans les maisons sur la vie de mon enfant. Mon but dans la vie, c'est de m'en sortir. Je ne vais pas t'affronter. Je ne gagnerai pas. Je ne veux pas t'affronter. Je ne gagnerai pas en t'affrontant, boss. Ce que je veux, c'est juste faire mon travail, réaliser mes rêves. Si tu estimes que je te dois, donne-moi même un montant, je vais m'efforcer de te rembourser un peu. Mais, non seulement ne m'empêche pas de partir, mais ne me verrouille pas partout comme ça. Bon, c'est pas possible. Depuis que je suis partie de Direpo, j'ai raté plein de spectacles. Par solidarité des gros poissons. Les gens ne veulent pas m'appeler. Dès qu'on m'appelle, on passe par Direpo, tu dis créole et censuré. Voici la campagne législative qui est passée. Les législatives, j'ai raté beaucoup de gombos. Bon, tu sais que les gombos là, tu sais que là c'était la rentrée scolaire par exemple. Il y a l'enfant qui doit aller à l'école. Même si chérie s'occupe de moi, je suis une jeune fille, je peux être capable de payer même seulement les cahiers. Comme ça chérie paye la scolarité. Je peux me débrouiller, regarde comment je suis belle. Je suis une jeune femme, pleine de vie, pleine de santé, regarde-moi. Je peux travailler pour subvenir à mes besoins. Pourquoi je ne dois pas le faire? Pourquoi? Pourquoi il est dit que pour mon évolution, je dois me conformer toute une vie? Pourquoi je ne peux pas décider que bon là, je prends un autre chemin et que tu m'encourages à aller de l'avant? Je serai toujours reconnaissante envers toi pour ce que tu as fait pour moi. Je serai toujours reconnaissante. Bien avant Direct Pro, juste Edgar Yonke. Beaucoup de personnes que je connais qui rigolent avec moi aujourd'hui ou bien qui sont proches de moi aujourd'hui ne feront jamais ce que tu as fait pour moi. Je le sais, boss. Je le sais. Et je te remercie. Je suis vraiment reconnaissante, boss. Mais arrête. Tu m'as verrouillé pendant les législatives. Les gars qui organisent les campagnes de nos députés savent très bien qu'on veut réunir le peuple. Il faut appeler la diva. C'est la diva qui en pointe à l'heure actuelle dans tout le bled. C'est la diva. Ouais. Je fais de la musique, je ne fais pas autre chose. Quand je vais venir sur le podium du candidat, je vais faire ma chanson. On me donne l'argent, je m'en vais. Je pars. Est-ce que je vais aller pour faire, je ne sais pas, moi quoi. Pourquoi tu dis que je suis censurée et tu proposes tes artistes qui ne sont pas censurés? J'ai eu un retour, deux, trois, quatre de législatives. Là, on est mes créoles. On te voulait, on a dit que tu es censuré. Il y a même quelqu'un, je tais son nom par discrétion parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a appelé la HAC devant moi pour demander, mais attends, au final, créole est censurée ou pas? Mais non, c'est la télé-réalité, seulement la télé-réalité qui est censurée, mon Dieu. Et les gens sont tombés dans le piège. Tout le monde est tombé dans le piège. Les gens n'ont plus fait la différence entre la télé-réalité, entre créole. Ils ont seulement dit créole et censuré. Ils ont tout mélangé seulement. Mais ils ont tout mélangé parce que le boss lui-même, qui est censé être le parrain, le père, il est venu écrire un post pour dire soutenez créole. On l'a censuré, vous ne la soutenez pas. Pourquoi? C'est pas normal.
Alors que tu n'es pas censuré. Je ne suis pas censuré. C'est la télé-réalité qui est censurée. C'est une campagne. C'est une campagne contre moi, boss. Il faut que tu t'arrêtes. Arrête-toi. Beaucoup de gens ont peur de toi. Les gens vont se demander que la fille n'a pas peur d'Edgar. Et la fille qui se fait que c'est le nom d'Edgar là. Mais je ne peux pas avoir peur de toi comme eux, ils te voient comme un tyran là. Moi, je te connais, je sais comment tu es. C'est moi, regarde-moi, c'est moi. C'est moi, créole. C'est moi, tu me connais. On se connaît. Hein? Je sais que tu ne vas pas envoyer les gens me tuer. Je le sais. J'ai bossé avec toi, je sais que tu ne vas pas envoyer les gens me faire du mal comme certains sont en train de vouloir extrapoler sur les réseaux sociaux par rapport à mon poste. J'ai posté des menaces qui datent d'il y a 6 mois pour montrer aux gens que tout le découlement qui s'est déroulé depuis ces 6 derniers mois, tout ce que vous avez vu là, c'est ça là, l'origine de ça, les menaces, les messages sont dans les messages. Ça a découlé seulement, ça a seulement suivi la ligne qu'on m'avait déjà prédit quoi. Mais malgré ça, je suis là, je suis debout. Je suis debout. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si tu n'as rien à foutre de moi, pense que j'ai mon enfant. Pense que j'ai un enfant à nourrir aussi. Ne mets pas dans l'esprit des gens que je suis censurée. Qui va me censurer? Qui peut censurer les artistes? Parce que je chante le sexe. Mais vous n'allez pas me dire quoi chanter. On ne peut pas dicter à un artiste quoi chanter. L'art, c'est ça. L'art n'a pas de domaine. On ne peut pas enfermer l'art. On ne peut pas même donner une direction. Chacun exprime ses couleurs. Vous n'allez pas dire à un peintre comment il doit peindre. Vous n'allez pas dire à je sais pas, un sculpteur, quelle forme il doit donner à sa sculpture. Laissez-moi faire ma musique. J'ai peur de toi. Tout le monde a peur de toi. Mais au niveau où je suis là, que je parle, je suis verrouillée. Que je ne parle pas, je suis verrouillée. Je suis obligée de parler. Je suis obligée de parler et te demander d'arrêter. Arrête que les gens... Et vous aussi, n'appelez plus le young boy. Ne l'appelez plus si vous voulez avoir créole. Venez sur ma page, je vais vous laisser les numéros de manager. Appelez même Michel Metogo. C'est notre manager, genre, on appelle ça comment, attitré. Vous voulez m'avoir, passez par Michel, passez par Mario même. Ce sont des gars, ce sont les gars qui, on appelle ça comment, qui ont traité le milieu. Direct Prod est le sommet de la musique au Gabon. Edgar Yonko, c'est le big boss. S'il y a une pyramide, la pointe là. C'est Direct Prod au Gabon. Après Direct Prod, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc quand je quitte Direct Prod devant tout le peuple, c'est pas pour travailler encore avec moins que Direct Prod au Gabon. C'est parce que je vise l'international. J'ai les capacités. Le talent là, ça coule dans mes veines. Je sais ce que je veux. Je ne veux pas paraître prétentieuse. Mais je ne veux pas je ne veux pas me dévaloriser non plus. Voilà. Voilà. Je ne suis pas ici pour faire une campagne, pour insulter ou qui que ce soit. Je suis ici pour supplier. C'est toi qui m'as donné la visibilité, là. La notoriété. Voilà 1000 personnes. Attendez, ne bougez pas. Je fais la capture d'abord. Je fais d'abord la capture des 1000 personnes sur mon direct. Oh, ça me fait pas. Tire-toi dedans. C'est comment on fait cette capture là, dog. Voilà, c'est bon. C'est toi qui m'as donné toute cette visibilité là, na que je commence à parler, les gens viennent. Sans toi là, je devais être encore le genre d'artiste gabonais qui se cherche peut-être, qui n'a pas réussi à trouver sa direction. Je devais même continuer à faire le zouk. C'est grâce à Chanel. Donc, quelque part, grâce à toi, parce que j'ai connu Chanel, parce que c'est vrai, j'apprenais avec Chanel au lycée Léomba. C'est vrai que c'était déjà une amie à moi avant, mais j'ai pu la côtoyer parce que j'étais à Direct Prod, que j'ai pu découvrir cette fantastique fille-là, cette Kina. C'est à cause des gars. Et c'est Chanel, je peux dire, qui m'a donné ma direction artistique, qui m'a dit que toi, tu serais Furex dans la dancehall. Le zouk, je te vois pas dans le zouk,
quand je vois ta personnalité et tout, et le boss aussi m'a, comment je peux dire, il m'a vraiment fait rentrer ça dans la tête, quoi. Et j'ai pris confiance en moi, je me suis lancée dans la dancehall et c'est carrément mon domaine de prédilection. Donc c'est Edgar qui m'a fait trouver ma direction artistique. Exact. Je sais qu'il est fâché. S'il n'était pas fâché, il ne devait pas se débattre à ce niveau pour prouver aux gens que je suis censurée, alors que je ne suis pas censurée, mon ami. Et là, tu fais un post où tu dis, venez soutenir l'autre, on l'a censuré. On ne m'a pas censuré, boss. Tu aurais pu rectifier ton post. Ça m'aurait évité de faire ce direct-là aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Tu pourras me faire tomber autant de fois que tu voudras, boss. Je vais me remettre debout. Si les photos que vous sortez là ne sont pas là où ils sont en train de tuer quelqu'un ou buter quelqu'un ou, je ne sais pas, enfoncer, je ne sais pas, je ne sais pas quel crime vous allez me montrer en train de commettre. Si ce n'est pas ça, le reste, ce n'est pas grave. Dieu est là. Dieu est là. Il est plus grand que tous les hommes. Et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu pour la suite de ma carrière, pour la suite de ma vie. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une mauvaise, en fait. Voilà. En tout cas... Vas-y, excuse-moi, je te le... Non, c'est normal, c'est complètement plein d'émotions. Je vais chercher le contrat, mais... Il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de choses, à dire, il y a beaucoup de choses à parler. Mais la fantastique, il y a aussi le peuple gabonais à l'intérieur du pays. Et tu as fait une tournée spectaculaire, la tournée Bonomo. Oh. Quelle est la ville qui t'a le plus marqué? Parce que on a vu que tu étais en tournée. Tu as même fait des photos, même à l'Ogoué, on a vu. Oh Seigneur, c'était parfait. Pour la première fois de ma vie, dès que je quitte direct pro, je me dis, allez, je vais me lancer dans une aventure folle. Je vais faire le tour du Gabon. Avec direct pro, je n'ai jamais fait le tour du Gabon. Hein. Tu comprends, je ne minimise pas Direct Prod, c'est le sommet des sommets. Big respect à toute la machine Direct Prod. Big respect. Ouais. Et tous les gars de l'équipe, et même le boss, savent que je les aime de tout mon cœur, c'est ma famille. Tu comprends? Ouais. Mais comme un petit oiseau qui est né dans le nid, un jour, il doit prendre son envol. Tu comprends? Il doit prendre son envol. Il ne faut pas que la mère se sente ou le père se sente mal. Il faut qu'il soit fier de son enfant. C'est ça. Moi, le souhait que j'ai, c'est de signer avec une production internationale et tout ça. Tu comprends faire, un peu? Faire coucou aux fantastiques de l'intérieur du pays. Les fantastiques de l'intérieur du pays. Voilà, c'était particulier pour moi. Malheureusement, je n'ai pas fait le Wellentem pendant le Bonobo Tour. J'aurais voulu. Je n'ai pas fait le Wellentem. Je n'ai pas fait. Je suis allée à Mouila et à Chibanga. Mouila, j'aurais pu partir parce que j'avais pris toutes les dispositions. Mais comme on a enterré papa là-bas. D'accord. Il y a eu un quoi quand un blocage. D'accord. Tu vois, je ne vais pas voir mon papa dans cet état. Et je ne vais pas aller à Mouila sans passer par là, tu vois. D'accord. Du coup, j'ai préféré vraiment désoler mes fans de l'intérieur. Donc, Franceville a bénéficié vraiment de... Franceville, c'était la mort. Okonja, Bongoville, c'était la mort. Oh là 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 là. Je n'ai pas fait Mwanda, j'aurais dû faire Mwanda, c'est chez moi. Et que j'adore les fans de Mwanda, j'adore la vie de Mwanda, mon chéri la Mwanda. Donc j'aurais vraiment voulu faire Mwanda. Je n'ai pas eu l'occasion parce que avec la date et la préparation, c'est pas facile d'être son propre boss. Avant, quand j'avais le boss, il préparait tout pour moi, mais maintenant, c'est moi qui fais toute seule. Donc c'est quand même plus compliqué, quoi. Donc ça veut dire quand même que la fantastique a quand même des ressources. Assez acceptable parce bien que sûr, je vis très bien. Tournée. Je vis très bien, je ne souffre pas. J'ai beaucoup d'argent, mon chéri. J'ai beaucoup d'argent. Et c'est ça ma force parce que si j'avais rien, mon gars, je ne devais pas bouger des direct prod. On allait me faire de moi quoi. J'allais toujours rester là. Donc parce ça que ça commençait un peu, 5 000 le t-shirt là. Un peu. L'argent est venu directement par le faisceau. Voilà. Les gars, voici mon contrat direct prod. Il est là. Il est là. C'est mon contrat. C'est la dernière partie. C'est la dernière partie de mon direct. Voici mon contrat direct. Il est écrit au BIC. Mon nom est la Moussitou Makaya Janis. D'accord? C'est le contrat que j'ai signé. Et quand je dis que je parle de direct pro, j'ai mes raisons. Je vais vous donner l'une d'entre elles. Hein, parce que je veux juste vous faire comprendre que ce contrat que j'ai signé, il ne m'appartient pas.
il ne m'appartient tout simplement pas. C'est le contrat de quelqu'un d'autre que mon big boss m'a fait signer certainement juste pour m'amarrer mentalement, me faire croire que je suis dans la maison. Alors qu'au fond, je ne suis pas dans la maison, quoi. Jean, tu es avec nous, mais tu n'es pas avec nous. Voilà. Je vais vous le montrer. Ah putain, pourquoi tu fais ça maintenant? Mets-toi là. Je vais vous montrer. Je prends ce risque-là. Il en va de ma vie. Il en va de ma survie. Voilà. Je vais vous confirmer que je ne suis pas censurée. Et je suis partie de Direct Pro, la raison principale, parce qu'il y en a beaucoup. Mais c'est parce que mon contrat, c'était pas un vrai contrat. Il est là. Alors, vous voyez ici, j'ai entouré quelque chose au bic. C'est le nom du propriétaire du contrat. Ça veut dire dans les lignes, entre les lignes, là-bas, dedans, là-bas. Hein, vous retrouvez maintenant les vraies informations du propriétaire de ce contrat. Les bas Île-de-France, les bas Monaco, les bas Nanani. Les termes qui n'ont rien à voir avec le Gabon. La réalité du Gabon. Qui n'ont rien à voir avec l'artiste gabonaise que je suis. Qui ne me garantit rien. Qui ne m'apporte rien, qui me dit juste que c'est un gros bout de papier que j'ai signé, genre, on me ment que je suis dans la maison. Faut pas me mentir, boss. Ça, c'est une raison. Je vais vous taper ce type-là, on va le voir ensemble. Parce que même si les gens me diront que oui, créole, personne ne rédige plus de contrat à ce jour, tout le monde télécharge des contrats et on adapte. Mais même quand tu télécharges un contrat et que tu adaptes, on ne doit plus retrouver les renseignements sur l'origine du contrat. Et ce genre de détails-là, il y en a partout dans ce document-là. Il y en a partout. On va aller ensemble sur Google, regarder le propriétaire du contrat que Créole a signé à Direct Pro. C'est ça. Ça, la vie. La diva même à la maison, toujours connecté. Oui. Le wifi de haut niveau. Wifi de haut niveau, forfait de 100 000, c'est comme une diva, dis donc. Donc tout fonctionne avec 100 000. Tout fonctionne avec 100 000, mon chéri. Ça passe, c'est la haute définition, la haute gamme. C'est la nouvelle version d'artiste gabonais, la version Android. Donc même 99 900, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est 100 quoi. Alors, il s'appelle Amaury Vassili. Ah. Comment on écrit ça? Viens m'aider là. Voilà, il est là. On va terminer ce direct sur une bonne note de musique. Hein? Amaury Vassili, alléluia. 5 minutes, 2 minutes, 2 secondes. Allez. It goes like, did the fourth, the fifth, the minor fall in the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Tu es le plus fort du monde. Respect. Voilà. Merci, boss. Tu es le plus fort du monde. Je termine en disant ceci. Je t'en veux pas. Je veux que tu arrêtes de dire aux gens que je suis censurée. Parce que cette rumeur est partie de ton poste. Je te l'ai signalé à plusieurs reprises que boss, ton poste est hors sujet parce que je n'ai pas été censurée. C'est quand même vicieux de vouloir faire croire aux gens que je suis censurée. Je suis une jeune Gabonaise. J'ai besoin de travailler.
J'ai besoin de ces petits gombos que tu veux m'empêcher d'avoir, la bosse. J'ai besoin de ça. J'ai un enfant. J'ai un enfant. Je ne peux pas aller avoir les bases de mon travail dans un autre pays. Je suis obligée de commencer ici. C'est mon travail, c'est ma vie, boss. Pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant, je te le demande à genoux. Pardon. Pardon, pardon. Si je suis partie de direct pour que ça t'a fait mal, excuse-moi, pardon. C'était juste mon moment, quoi. Le contrat, c'est après que je me suis rendu compte de la surpêche, de la suce de la chérie, de la suce de la chérie, de la suce de la chérie, de la suce de la chérie. La suce. Je sais, la langue française, c'est pas ta langue. C'est une langue exportée. Attends. On se bat, on se bat. Ne me fais pas ça. Je suis ta fille. Hein? Rien n'est pas censuré, les gars. On ne m'a pas censuré. On a censuré la télé-réalité. J'aurais voulu qu'on m'apprenne comment faire une télé-réalité. Je vous jure que avant la fin de l'année 2019, je serais au moins multimillionnaire. Parce que les gens me suivent. C'est un moyen pour moi d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais travailler, je vais faire des recherches moi-même. Je vais revenir avec la saison 2 de Fantastic Life. Améliorer, je vous le promets sur mon honneur. Je le ferai. J'arrive. Voilà. Donc s'il y a pour des personnes à saluer, parce que tu sais... Je vais saluer tous les artistes. Tous les artistes. Tous les artistes qui se sentent compressés, marginalisés. Toutes les personnes qui n'ont pas ce courage de s'exprimer. Sachez que parler, ça libère. Parler, ça libère. Je m'adresse à mes fans. Je vous adore, je vous aime tous. C'est fantastique. Mais fantastique. Vous êtes gravés là, sur ma peau. Là, fantastique. Parce que je vous aime vraiment. Voilà. Je ne vous cache rien et je vous montre tout. Et je serai toujours honnête envers moi-même et donc honnête envers vous. Voilà. Et je vous aime. Merci de me suivre. Restez connectés sur mes réseaux sociaux. J'ai des sons de malades qui arrivent. Mais balance-moi un peu une musique là, s'il te plaît. Mets-moi un truc là-haut, s'il te plaît. Mettez-moi un truc. Mettez-moi un truc. Je veux chanter. J'ai déjà beaucoup parlé avec vous. Donc c'est une façon de dire au grand public, au revoir, et on se retrouve la prochaine fois. Parce qu'il y a je voulais d'abord préciser, oui, parce que j'ai vraiment beaucoup autre chose à dire. Pour ce direct-là, j'ai fait appel à toi, et je me suis concentrée, c'était pour ne pas trop déborder, parce que tout le monde me sait impulsif et tout ça, tu en comprends? En fait, c'est ça. Voilà. Voilà, oui. Mais bon, mais des fois, j'ai des choses très importantes à dire. Et donc, il faudrait que je prenne des précautions pour me faire comprendre. Sinon, les gens vont juste retenir que je suis partie en live. Quoi. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça. Parce que les jours à venir, on va sûrement en parler bien maintenant sûr. De la suite de la carrière de Créole. Alors, je suis à un gros tournant de ma vie. Je suis à un moment de ma vie où il faut que je prenne mes décisions pour pouvoir avancer. Je suis consciente que je vais me faire beaucoup mal. Mais je suis disposée à me relever et à continuer d'avancer. Personne ne peut éteindre le feu qu'il y a en moi. Dieu m'a donné mon talent. Je compte vivre de mon art. Et je ne laisserai personne au monde vouloir me stopper. Edgar, tu es mon papa. Tu es mon unique chance que j'ai eue dans la vie. Artistiquement, tu es la chance que j'ai eue dans ma vie. C'est vrai que c'est toi qui as fait de moi ce que je suis. Et que tu as la possibilité de m'enfoncer autant de fois que tu voudras, boss. Mais bon, à quoi ça nous sert? Moi, je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Et je t'aime beaucoup et tu me manques énormément. Tu me manques énormément, énormément. Mon vrai défi, c'était de partir de direct et de conserver notre amitié. Je n'ai pas réussi, malheureusement. Je n'ai pas réussi à conserver notre amitié et partir de direct pour. Je m'en excuse. Je ne veux pas te combattre parce que je ne vais pas gagner. Mais s'il te plaît de grâce, pour l'amour du ciel, arrête de faire planer autour de moi ce nuage de censure. Je n'ai pas été censurée. De grâce, bon, s'il te plaît.
Maintenant, pour l'autre version que tu connais là, on reviendra. Tout dépend de la suite après ces directs là. Merci. Si tu veux, ouais, pourquoi tu paniques? Bien, bonsoir, nous sommes actuellement avec Créole Art Fantastique. Donc c'est pour dire que Atusik est actuellement à la résidence privée des Créoles, donc à la chaud comme ça, parce que nous savons que Créole tient un emploi du temps très très chargé, tu dialogues beaucoup avec ton public actuellement. Donc, actuellement Créole, c'est quoi ton actualité? Bonsoir. Bonsoir Atusik, bonsoir les auditeurs. Alors, trop content d'être avec vous. Voilà, donc, mon actualité, je suis en plein tournage. D'accord. J'ai débuté le tournage pour H20. Okay. Donc, d'ici, Inch'Allah, si Dieu le veut, la fin de l'année, on aura la vidéoclip. Je prépare une tournée au Cameroun. D'accord. J'ai des prestations prévues un peu partout en France, notamment je dois repartir en Afrique du Sud. Je dois aller au Cameroun. Et je dois aller au Togo parce que j'ai un featuring avec un excellent artiste togolais. D'accord. Très prochainement. Donc, je suis vraiment, vraiment chargée en termes d'activité artistique. Et que, voilà, j'espère que vous allez me suivre sur mes réseaux. Bien sûr, on reste toujours sur la chronique. La chronique est la suivante. Créole la fantastique, Créole la diva, Créole la belle femme du Gabon. Est-ce que Créole est encore dans le label Direct Pro? Non, je ne suis plus à Direct Pro. D'accord. En tout cas, je ne suis plus à Direct Pro. Nous attendons tous que mon boss Edgar Yonke communique là-dessus. D'accord. Et qu'il affirme enfin que je ne suis plus à Direct Pro. Pour que, voilà, on passe à une autre étape de ma carrière. Parce que tant qu'il n'aura pas communiqué là-dessus, c'est comme si je serais toujours à Direct Pro, forcé quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'actuellement, l'artiste Créole la Diva est considéré comme artiste indépendant. Voilà, autoproducteur. Ça bosse. Autoproducteur. Aussi, une autre chose en parlant de censure, dit-on que Créole la Fantastique a été censurée. D'autres disent non, c'est la télé-réalité qui a été censurée. Entièrement, il y a une nuance. Nous sommes face à toi, nous sommes là avec toi. Qui est réellement censuré et quelles sont les raisons par lesquelles tu as été victime de ce gros malentendu? Parce que on sait que c'est la télé-réalité qui est censurée et non l'artiste créole qui est entièrement censuré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Alors, il s'agit juste de la télé-réalité, Fantastic Life. Donc, pour des raisons techniques, la télé-réalité a été censurée, mais ça n'a rien à voir avec l'artiste créole. Et que je suis bien autorisée de diffusion et de travailler tout simplement sur le territoire, sur l'ensemble de la planète, quoi. Alors, un mot de fin, je vous adore, j'aime tous mes fans, tous mes fantastiques. Merci de me suivre, merci de croire en moi et merci de m'apporter toute cette énergie positive, toute cette force. Et que voilà, Dieu vous le rendra. Remercie aussi Atusik, on est là pour ça. Merci Atusik d'être calé sur l'actualité musicale gabonaise. Merci de donner une autre voix aux artistes, une plateforme sur laquelle les artistes peuvent s'exprimer. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Créole la Fantastique, la diva, la maman des mamans, la future maman des mamans. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir partagé cet effort avec Créole. On oui, se donne rendez-vous très prochainement. Moi, je réponds pour d'autres l'émission. Activités et d'autres actualités musicales. Donc, à tous ceux et à tout honneur, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Merci. Respectez-moi.